Nous te glorifions, 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 n
Dieu éternel et tout puissant, augmente-nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Il s'en va en pleurant, il jette la semence.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans la relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi, dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Absolument rien à voir.
le signe lui-même, hein, on va chercher. Mais ce qui est beau à contempler, et pour saisir le sel, pour entrer dans l'intérieur, c'est la foi de cet aveugle. C'est un chemin, la foi est un chemin. Nous progressons dans la foi jusqu'à en marchant derrière Jésus. Alors, suivant le parcours de cet aveugle, croire c'est d'abord écouter avant de voir. L'aveugle est assis au bord du chemin et il entend une foule qui s'approche et qui doit louer Jésus, le magnifier, il entend parler. Voilà, il entend que c'est Jésus qui vient. Il sait sans doute déjà qui est Jésus, parce qu'il va l'interpeller en lui disant « Fils de David », c'est un terme messianique. Le Messie, celui qui était l'objet de l'espérance d'Israël, le Sauveur, autrement dit, eh bien, était présenté comme de la descendance de David, le fils de David. Et donc, l'aveugle avait déjà entendu parler de Jésus. Et il avait accueilli cette espérance qui était celle d'Israël. Il connaissait donc la loi et les prophètes, sans les avoir lus d'ailleurs, parce qu'il était aveugle. Il avait donc écouté, sans doute dans les synagogues, il avait écouté les lectures, en parlant de cette venue du Messie. Il avait entendu les enseignements des rabbins. Vous voyez, la foi de l'aveugle, elle est née d'une audition. C'est par lui que cette bonne nouvelle est entrée en lui. Et puis, peut-être avait-il entendu aussi ce passage que nous avons lu en première lecture, du prophète Jérémie. Je vais faire revenir Israël, le pays du Nord, là où vous étiez en exil, parmi eux, tous ensemble, l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, la femme accouchée, enfin tous, ce sera une grande assemblée qui sera dans la joie. Donc l'aveugle avait déjà la foi, mais la foi est toujours destinée à grandir. Alors l'aveugle va demander, va prier Jésus de le guérir. Oui, dans cette guérison, oui, est plus importante que la vue dans notre chemin de foi. Quelquefois, bien souvent même, on a du mal à croire, et beaucoup cherchent à voir pour croire, beaucoup attendent un signe, demandent ne se tardent pas sur la parole de Dieu et les promesses, mais demandent des signes, et qu'il est sur le convaincant. Ils attendent des miracles, ils ne comprennent pas que Dieu touche les cœurs, non pas par les signes, mais par sa parole. On ne sait pas par des choses extraordinaires, mais il touche le cœur parce que sa parole nous rejoint dans notre vécu. Alors, dans ce rite de guérison, précisément, il n'y a pas de signe. Jésus guérit sans faire de signe, sans toucher, sans imposer les mains sur la tête de l'aveugle, sans lui mettre la salive dans les yeux. C'est l'autre récit de guérison de l'aveugle qui nous apporte ce signe-là. Il ne demande pas non plus, comme dans Saint Jean, à l'aveugle d'aller se laver à la piscine de Siloué. Non. Il dit juste une parole. « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, l'aveugle retrouve la vue. Alors, en fait, la seule chose qui puisse nous mener ôter une incertitude, finalement, sur le régime de la guérison de l'aveugle, parce que ce n'est pas le hasard, la seule chose sur laquelle nous puissions nous appuyer, ben, c'est la coïncidence entre la parole de Jésus et la guérison de l'aveugle. Il n'y a rien de plus. Vous voyez, tout est centré sur la parole de Dieu. Dieu est créateur, Dieu parle et il fait que cela soit. Dieu a créé le monde ainsi. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, et l'homme est guéri. Il ne dit même pas en détail, tu retrouves la vue. Alors, l'aveugle guéri croit. Aussitôt il se met en marche et suit Jésus. Sa vie change. Il devient un disciple de Jésus. Il a appris ses paroles. Il veut maintenant le suivre. Il veut
que Jésus soit toute sa vie. Il a compris que Jésus est la parole de Dieu, la parole créatrice. Il est le sauveur, le créateur. Il est attaché à Jésus. Voilà l'aboutissement de la foi, s'attacher à Dieu, vivre en proximité avec lui. La foi, c'est une élévation vers Dieu. La prière de la Bible, que je retrouve la vue, pourrait aussi se traduire par que j'élève les yeux vers Dieu. Levant les yeux vers le Seigneur, lever les yeux vers le Seigneur, se le reconnaître comme le souverain bien, celui qui est à l'origine, qui est tout pour moi, reconnaître en Jésus le Sauveur, celui qui nous aime personnellement. La foi de la Bible, c'est pas simplement une confiance, c'est déjà une confiance en l'amour de Dieu pour lui, qui va le guérir, mais vous voyez, il s'attache à lui, il est guéri, mais il attend encore de Jésus. Désormais, il est son disciple. Il va conformer sa vie à celle de Jésus. Il témoignera de l'amour de Dieu dans sa vie, dans ses paroles, en imitant la manière de vivre de Jésus, en aimant, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, vous allez me dire, mais oui, ma foi est bien, c'est vraiment une expérience que nous faisons tout le temps. Notre foi est bien faible, et nous avons toujours des doutes, nous avons des fragilités, vous voyez, nous sommes fragiles pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes créatures, le Christ est Dieu, nous sommes créatures, nous ne voyons pas l'objet de notre foi, nous ne voyons pas le Christ comme nous le voyons nous-mêmes, entre nous, dans cette assemblée. Et puis nous avons une autre vulnérabilité, ça c'est celle qui est de nature, et puis nous en avons une autre bien sûr, c'est que nous sommes dans une nature déchue, parce que à cause du péché originel. La foi ne peut être qu'un don de Dieu. Elle n'est pas le résultat de nos efforts. C'est un don de Dieu. Nous nous reconnaissons aimés de Dieu. Et nous sommes reconnaissants à notre tour, en aimant Dieu à notre tour, en retour. Aimer Dieu, c'est le chemin pour le connaître. Si nous avons des doutes dans la foi, attachons-nous à aimer Jésus, à aimer le Seigneur. Pour saisir le mystère du Christ, pour entrer dans cette amour de Dieu, mais il faut aimer. Cet amour divin qui s'est fait l'un de nous, qui s'est fait proche de nous. Nous ne pouvons pas avoir la foi sans aimer. Alors quand nous suivons le Christ, quand nous vivons comme lui, nous aimons comme lui, ça suppose bien sûr que nous vivions une conversion. Et c'est le point de départ. Nous ne savons pas aimer comme il faut. Nous ne savons pas aimer comme lui. Se convertir, c'est accueillir l'amour de Dieu. C'est savoir aimer de Jésus, nous apprend à nous connaître nous-mêmes, à nous connaître indignes d'être aimés, et cependant pardonnés, miséricordiés. Hein, nous avons reçu le pardon de Dieu. Nous pouvons alors reconnaître tout ce qui nous sépare de Jésus et lâcher ce qui nous sépare de Jésus. Nous avons l'acte de foi. Et nous rejoignons l'aveugle en disant « Jésus, guéris-moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Proclamons notre foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers notre Seigneur, humblement et tous unis par l'Esprit Saint, nous présentons nos supplications pour tous les hommes. Avec le pape François, nous te supplions, Seigneur, que le synode venant de s'achever porte du fruit à l'aide de l'Esprit Saint. Comme Bartimée, nous avons confiance en toi. Thank you.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mystère de la foi. Oh.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de sauvé. Prenons à la page 34, 35. Dieu nous invite à son festin. Page 35. Dieu nous invite à son festin.
Prions encore le Seigneur. Côté simplement, Seigneur, nous t'en prions, achève de prendre en nous ce qu'ils contiennent. Puissons-nous saisir dans sa pleine vérité ce que nos célébrations préfigurent aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste quelques annonces, je vous rappelle les horaires des dates et les horaires de la Toussaint. Donc le 1er novembre, fête de la Toussaint, nous avons la messe comme le dimanche, 9h30 à Saint-Paul et 10h30 au cinéma à Saint-Pierre. La messe de la veille au soir, à 18h, aura lieu donc à la citadelle. Par contre, il n'y aura pas de messe le premier au soir. Mais ça ne vous concerne pas, je pense. Vous êtes des habitués du matin. Et puis, le 2 novembre, nous faisons mémoire des défunts. La messe aura lieu ici, à Saint-Pierre, à 10h30. Et puis, 3 novembre, nous avions annoncé que nous lançons dans une main un petit commentaire méditatif sur les différents aspects de la messe, nous revisitons tout le rituel de la messe avec une petite intervention du célébrant à chaque messe, 5 minutes avant la messe. Donc 10h25 pour la messe de dimanche. Ce sera le 3 novembre, on commence. Voilà. Comme ça. Et évidemment, tout doit être prêt, même y compris pour les animateurs et l'organiste aussi vont terminer 5 minutes avant la messe de se préparer. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Bonne semaine. Venons à la page 47. Il a changé le film, page 47. Pour embraser la terre, en prenant la mort.